On devrait aller le sauver. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Il grandit si vite. Je vais vous sortir de là, ok? Non, c'est impossible. Ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Oh non. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici! Je reviens. Ils sont de plus en plus gros! On remet ça tout feu tout flamme? Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Ça fait partie du taf! Quelle ironie! L'araignée voilà pour se couvrir! Hé! À charge de revanche! On a déjà commencé en vivant! Mais d'où est-ce qu'ils sortent tous? Ils ont une espèce d'agence de casting? Il faut qu'on éteigne ce fourneau! Par là! Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre! Juste à temps pour arrêter le fourneau. Ouais, ça devrait... Vous cherchez à tuer tout le monde ou quoi? C'était pas prévu, désolé. Il s'arrête jamais. Ça tombe bien, nous non plus. Commence à faire chaud là! J'avais pas remarqué. Je crois que la tenue résiste au feu. T'en as de la chance! On n'a pas le temps pour ça! Qu'est-ce qu'on peut faire? T'appeler plus vite! Ça, je sais faire! On doit libérer Tombstone! Il faut fragiliser la cage! Par là! Retire les supports! Tu vas me traiter de fou! Mais c'est une des plus belles journées de ma vie! Bah, tu devrais sortir plus souvent! Il y en a plus que deux. C'était en quoi ce machin? Je sais pas, mais le bâtiment est en train de s'effondrer. Essaie encore. Ça marche pas. Accroche-toi. Il faut qu'on vire les supports. Faut protéger notre bateau. Ça va bientôt s'écrouler! Impossible d'ouvrir la cage! Peut-être en passant par le fourneau! Non, il fait trop chaud là-dedans! Quoi, t'as une meilleure idée? C'est dur de choisir, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, arrive! Sortez de là!
toujours aussi stressant. Le yoga a fait des merveilles pour mon mental. Vous voulez mourir ici? On y va! Non, 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 non! On l'a perdu! Panique pas! Dans là, vite! Harry! Harry! Il faut qu'on se dépêche! Attendez. Tu vas voir si on a été suivi. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis, ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller? Ouais. Et s'ils me retrouvent, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Hey, t'as assuré tout à l'heure. Ah ouais? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Désolé. Je sais pas encore trop m'en servir. C'est sympa. Comment ça? C'est toi qui a... Oh. Ah, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Ah, mon! J'espère que c'est pas encore juste pour un mille pattes! Avec Pete. Salut Miles. Salut. Alors quoi de neuf? Tu veux un speeder coup de main? En fait ça va. On a réussi à sauver Tombstone avant que Kraven ne lui tombe dessus. Hein? Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais mon copain Harry, il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en face. Il va nous être sacrément utile contre les chasseurs, ouais. Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite mais on en parlera plus tard. Faut que je file. À plus tard, à plus tard. Oh, il dit ça tout le temps. Ok. Je vais aller voir ce qui se passe avec moi. Sérieux? Ils essaient de marquer quelqu'un au fer? C'est un endroit bien pratique pour se changer. Ça va beaucoup aider la communauté. Merci pour votre soutien. D'accord. Au revoir. Oh, Miles. Salut, moi. Viens, assieds-toi. Je voulais prendre des nouvelles. Je m'inquiète pour toi. Todo bien? Ouais. Je te jure. Ok. C'est de la folie en ce moment. Je sais plus où donner de la tête. Entre la ville, mon essai pour la fac, et puis y a Pete, qui est occupé avec d'autres trucs. Ellie...
Il est toujours dans la nature. Ça t'inquiète pas, toi ? Si, bien sûr, ça m'inquiète. Mais... je me suis engagée à agir pour cette communauté. Je dois mettre de côté les choses qui ne servent pas ce but, et me concentrer sur mes objectifs, plutôt que sur le passé. ¿Entiendes lo que te digo? Oui. Mais Lee... je peux pas le mettre de côté. Angela, il va falloir que je vous rappelle plus tard. Enfermée dehors, mais vous avez une clé. Ah. Non, non, je comprends, c'est une urgence. Je vais passer quelques coups de fil. Ok. Non, je peux y aller. Tu ne viens pas de me dire que tu étais débordée ? Si, mais... j'ai toujours du temps pour ma communauté. Ok, Maman. Où je dois aller ? Au centre culturel de Harlem, sur la 116e et Convent. J'ai eu mon amie Angela au téléphone, la conservatrice. Elle voulait offrir une visite privée à un donateur potentiel, mais le système de sécurité l'a enfermée dehors. Oups ! Le malaise ! Angela a trouvé des objets pour une nouvelle expo musicale, mais les subventions n'ont pas suivi. Et si le donateur ne couvre pas les dépenses, le musée risque de fermer. Je vais m'assurer qu'il rentre. J'ai à cœur de préserver l'héritage musical de cette communauté. Mais vous voudriez que je fasse un don pour un musée qui n'a même pas de système de sécurité ? Darren, j'entends vos craintes. Néanmoins, je vous assure que ce musée sera... Spider-Man ? Oh, Dieu merci. Le système refuse de nous laisser entrer et il ne réagit à aucune commande. Allons voir si je trouve d'où vient le problème. Je dois trouver le panneau de commande. Le camion, peinture délavée. Génial, c'est le panneau de commande. Les relais sont surchargés. Je dois regarder dans les murs pour régler ça. On va réparer ça quand Angela puisse faire sa visite. C'est qui ce type ? Sûr que l'alarme n'a pas sonné ? L'IEM a fait sauter tout le système. Personne d'autre que nous. On a qu'à briser ce cadenas pour entrer. Ah, c'est pour ça qu'Angela est coincé dehors. Faudrait mieux relancer le système si je veux entrer. J'ai vu pire. Je vais réparer ça vite fait. Ça y est. Mais le système est toujours HS. Je dois trouver les autres boîtiers de relais. Hey, Miles. J'ai vérifié auprès de tous les refuges Fist. Personne n'a vu Martin Lee. Merci. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé filer alors que j'aurais pu... tu vois ? T'aurais pu quoi ? M'assurer qu'il ne fasse plus de mal à personne. Dak. Bon, t'inquiète, je continue de chercher. Il doit y avoir des trucs précieux. On a affaire à des branches. Allez, on va réactiver tout ça. Super. Mais ça marche toujours pas. Il doit y avoir d'autres relais.
Le saxo et la batterie ont déjà été chargés, hein? Ouais, mais on a le temps. Il y a encore plein de place dans les camions. Je dois contourner ces types sans me faire repérer. Et pourquoi pas une diversion en tout majeur? Allez, garde ton sang-froid. Ne fais pas un de tes vieux coups foireux. Tu peux y arriver. J'envoie une autre tout de suite. Miles, est-ce que tout va bien? J'ai eu un petit pépin, mais maintenant ça va. Tant que tu y es, va voir quelques instruments. Ça te préparera pour tes études. Non. Mon truc, c'est la musique des geeks. Les ordis, c'est mes instruments. La musique, ça commence par un être humain. Son instrument et son âme. Quand tu mixes et quand tu samples, tu dois tendre l'oreille et capturer cette âme. Les ordis ne savent pas faire ça. Tu sais que plus personne parle comme ça? Tu veux dire comme une grande sage? Ok. Le signal est plus fort maintenant. Il doit me rester un dernier relais à réactiver. Oh, c'est pas vrai. Je vais devoir aller à l'autre bout de la salle. Il reste du temps? 2-3 minutes. Chopez les derniers trucs et soyez prêts à les mettre dans les camions. Ok. Le signal est plus fort maintenant. Il doit me rester un dernier relais à réactiver. Oh, c'est pas vrai. Je vais devoir aller à l'autre bout de la salle. Il reste du temps? 2-3 minutes. Chopez les derniers trucs et soyez... Qui joue de la musique? Rétablir ce dernier relais et retourner à la baie de chargement. Je vais m'assurer que ces types ne font aucun mal. Repli ! On se tire ! Bien joué, Spider-Bot. À mon tour maintenant. Spider-Man, ça y est, la porte est ouverte. Mais apparemment, plusieurs objets ont disparu. Tout est revenu à la baie de chargement. Et je veillerai à ce que rien ne bouge. Vite, on doit se barrer de là! Et allez, allez! C'est Spider-Man! Oh, Spider-Man! Sors, Spider-Man! Même si je dois
croyez bien. Le boss a dit que ce serait une mission pépère, mais on se retrouve avec Spider-Man. On s'en tape. Fume-le. Dites à votre chef que mon quartier se laissera pas faire. Faut pas qu'ils sortent. On se retrouve au point de rendez-vous dans une heure. Pas aujourd'hui. Il faut que j'arrête ces camions. Je vais devoir en choisir un. Laissez tomber! Vous vous en tirerez pas! Qui Dremer. On a retrouvé le contenu d'un seul camion. Quelle pagaille. Désolé, Angela. Ça sera sans moi. Je crois que nous venons de perdre notre plus gros donateur. Il y a toujours le gala caritatif, non? Si on retrouve pas ce deuxième camion, il y aura pas d'expo. Et sans expo, pas de gala. Et sans gala... Le musée devra fermer. Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. Tenez. C'était celui de Clyde Stubblefield. Oh, qu'on surnommait Funky Drummer. Vous avez une idée du nombre de fois où il a été samplé? C'était un musicien très respecté, à mi-chemin entre funk et hip-hop. Merci. Et vous en faites pas. Je vais trouver le reste des pièces. Merci. Faut que je fasse le point avec Pete. Allô, t'as une minute? Bien sûr. C'est Harry qui m'appelle. Il faut que je réponde. On se rappelle? Ok, pas de soucis. À plus. Ouais, Pete. Je
suis à l'EMF. Aucun signe du docteur Connors, mais je t'avoue qu'un peu d'aide serait pas trop. Je suis en route. T'as eu des nouvelles d'MJ? Elle a dit qu'elle devait passer chez lui, non? Pas encore. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand elle y serait. Espérons qu'il ait juste la grippe? Ouais, faut espérer. Je vais voir dans nos bureaux. Viens dès que tu peux. Des nouvelles de Connors? Pas pour l'instant. C'est MJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Mais bonne nouvelle, je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... On se mate, nous attend. Matos. L'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Un zoo? Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. Il est où, ce van? Un tiret des données génomiques. Ils essaient de réactiver ces gènes reptiliens. Oh, ils étudient le docteur Connors. Oh mon Dieu, ils veulent le chasser aussi. Ça fait beaucoup de chasseurs. Ils ont pris leurs aises, on dirait. C'est possible. Ouais. Tu sais que j'aime pas qu'on se faufile dans mon dos. J'aurai une meilleure vue depuis le toit. Voilà, ma grande. T'as absolument rien à faire ici. Je vais devoir t'abattre, mais dignement. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mi-homme. Hein? Dis-toi.
C'est quoi ce truc? Oh mon Dieu. Vulture. Ils l'ont. Je dois trouver Connors. Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Ça a peut-être été ma faiblesse, mais... non. Téléphone ? C'est à Connors. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey. C'est... pitié. Non. Pitié. Vous comprenez pas. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Allez, MJ. Apprendre un code, voler des clés. On a déjà fait pire. Craven s'occupera de... Oh non. Il méritait pas ça. Crépuscule. 22 degrés Celsius. Mort d'une dame plantée dans le sternum. Ça a été une belle chasse. À ce prédateur. Il n'a pas essayé de se montrer supérieur. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Mes lames s'impatient. J'arrive, je suis en route. La chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, j'ai assisté qu'à une seule chasse de crâne. Y a quelqu'un ? Y a personne ici. J'ai trouvé la journaliste ! Allez, Gabi, abandonne ! Où t'es passé ? Elle est à couvert. Attendez ! Elle se plante quelque part. La chasseuse qui a le code est partie par là. Où est-ce qu'elle est? Allez, t'as bien caché ton mot de passe quelque part. Ah.
utiliser Mangouste comme nom de code. Mangouste. Celui qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. De la poésie en simcarien. Ça doit être sa langue maternelle. Tegre Yohir. Elle parle simcarien parfaitement. J'espère que le mien n'est pas trop rouillé. Des indicatifs radio. Voyons voir qui est notre mangouste. Bonjour, Garin. On dirait un organigramme. Je crois que c'est la bosse de Garin. C'est bon pour moi. Ok, il te faut ce code. Allez, MJ, ton simcarien est encore potable. T'as juste à répondre. It Vika. Vika, Mongoosnock. Vika, Betek Bosch. Garin, Elegem Vana, Hiva Shaidbol. Holvana, Kakezulekas Kodok. O Kodok, Shorozata, As Informatios, Tablan Van, Tudhotat. Te pedig as Tudhotnat. Mien Hongon Beselhet Velem. Nehiv Terbet. Nerta Feyet Be Keruhet. C'était pas si mal. Ok, je ferais mieux d'y aller avant qu'ils viennent vérifier. Il est où ce tableau? Le voilà. Les codes de l'enclos. J'ai le code. Il manque que la clé. À faire là. Maintenant, les clés pour libérer Connors. Ça. C'est quoi ce délire? Le chasseur qui a les clés est allé par là. Je me rapproche. Là, il a la clé. Je sais que ça a l'air débile. Vous avez entendu ? J'ai le code. Il manque que la clé. Je m'en occupe. Là, il a la clé. Le système de camouflage. Je peux peut-être m'en servir. Je sais que ça a l'air débile. Mais je les sens qui sont là avec moi. Si t'es obsédé à ce point par l'esprit des morts, tu devrais peut-être changer de métier, camarade. Je les entends me juger. La zone. J'ai mes clés. Inutile de traîner ici. Qu'est-ce que...
obtiendrons la victoire. Et qu'importe le prix. Je m'en charge. Ça, on verra bien. Ça veut dire que Kraven sera bien vérifié. Il faut qu'on sorte d'ici. Et vite. Je vais vérifier. Décidément. Attendez. Vous devriez être. Tu connais ce monstre? Il s'appelle Kerr Connors. C'est un homme bien. Seulement de bonnes proies. Ça va, vous allez bien? Maintenant, oui! Il y a un labo dans l'atrium. Il y a peut-être un échantillon de sérum. Je sais pas beaucoup de temps. On va vous en faire gagner! En haut de la colline, le bâtiment en vert. Pitié, faites vite! On vous prend un passage! Restez à couvert! Ne vous inquiétez pas, Doc! On vous conduit au labo. Vous allez pas vous transformer. Je veux la voir. Attention. D'abord Tombstone, maintenant le lézard. Ouais, on dirait qu'ils se tapent le sale boulot de leur chef. Tu fais une blague au pire moment. Ça prend vite. MJ, avancez, mais restez baissés. Compris. Attention. Ça y est, il va prendre. MJ, avancez, mais restez baissés. Compris. Et ils ont même des animaux de compagnie. On est presque, Doc. Respirez. Ok. Je te tiens. La voie est libre. Allez. Encore un peu. Empêchez-le de se tromper. Voilà le labo. Ça va, vous allez bien? Pour l'instant.
débarrasser d'eux. Allez. N'allez pas cacher la nuit notre mère. Quoi? T'as vu, c'est pas plaisir. T'as vu? Les gens savent plus apprécier les rebondissements. Si votre chef est si balèze que ça, pourquoi il vient pas nous affronter? Il a bien mieux à faire que ça. Mais pas vous? Je crois qu'ils ont pas une très bonne image d'eux-mêmes. Descendez-le. MJ, comment ça avance? Continuez, je les occupe. On ne laissera pas vous faire du mal. Ça va aller. Vite. Vite. Là. Voilà de la boucle. C'est bon, j'ai la fille en plus. Ça va, vous allez bien? Pour l'instant. Sacra. On doit vite se débarrasser d'eux. Allez! N'allez pas gâcher la nuit de notre maître. Quoi? T'as vu, c'est pas plaisir. T'as vu? Les gens savent plus apprécier les rebondissements. Si votre chef est si balèze que ça, pourquoi il vient pas nous affronter? Il a bien mieux à faire que ça. Mais pas vous? Je crois qu'ils ont pas une très bonne image d'eux-mêmes. MJ, comment ça avance? Continuez! Les occuper. On ne laissera pas vous faire du mal. Ça va aller. Je ne peux pas revivre ça. Spider-Man. Désolé, mais on va le permettre. On les cache. Je les frappe. Il a des cheveux roux. Le sale. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Vous pouvez. Parlez-moi de votre ami. Regardez-moi. Allez. Ça, je dois pouvoir fabriquer un antidote avec ça. Merci. Avec moi, Pete. Allez, un pied devant l'autre. Allez.
Je suis désolé. D'avoir été tout le temps déporté. Arrête ça. Regarde, on y est presque. Vite, parle-moi. J'ai... Encore un petit effort. Accroche-toi. Accroche-toi. MJ, sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Compris. Oh, ça fait du bien. Il est pas mort. Ton chef devrait mieux viser. C'est quelqu'un comme toi qui est en recherche. C'est bien dommage pour lui. Faites pas cette tête-là. Je vais bien. Je veux bien un peu d'eau. De l'eau. Tout de suite. Alors... Le costume à soigner, t'as... Ouais. Ça veut dire que sans... Tu es... Ouais. Ok. Il faut trouver le moyen de remettre ce costume à Harry. Comment t'as fait pour me le donner ? J'en sais rien, c'est... C'est arrivé comme ça. Ok. Je vais essayer. Pete, il y a un truc dans ta... Ok, c'est parce que... C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Laisse-moi réessayer.
désolé. Je sais pas comment faire. Il faut qu'on trouve le docteur Connors. Le souci, c'est que... Ouais, c'est un méchant reptile pour l'instant. Craven. Le sérum. Il l'avait autour du cou. Il l'a utilisé sur le docteur Connors. Si on trouve ce sérum, on pourrait l'analyser et se servir de cet équipement pour fabriquer un remède. Oui, et rendre sa forme humaine au docteur Connors. Je m'occupe de localiser Craven. Ça m'étonnerait qu'il soit encore au zoo. Heureusement pour nous, il a laissé ça derrière lui.